Abonnez-vous massivement sur Légende News Officielle Télévision. Légende News Télévision. Vous s'abonner et belé et belé et belé. Vous avez décidé parce que nous avons été un chasseur d'images. Légende News Officielle. Yeah. Boyaye. Maramboisa. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chez Nabana Mboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News Officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Légende News Officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Merci beaucoup, madame et monsieur de la presse. Vous êtes sans ignorer que l'Union sacrée de la nation est une plateforme politique créée par son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je cite Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a été créé pour mission de répondre aux aspirations de la population. Et depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République actuel, sa grande famille politique ou sa grande plateforme politique Union sacrée de la Nation n'a jamais fait sa sortie officielle. Voilà pourquoi nous avions jugé bon de pouvoir inviter la population congolaise, et particulièrement les Kinoises et Kinoises, de pouvoir rester de leur présence pour écouter le message important qui était donné par le présidium de l'Union sacrée de la Nation, qui est composé par le professeur Modeste Batilikobo, Monsieur Mbosso, le premier ministre Sama Lukonde, le président Jean-Pierre Bemba Gombo, et puis le secrétaire général Augustin Kabuya, et puis son excellence Monsieur le VPM Vital Kamerhe. Il a été question au moins de prouver à la face du monde et aux Congolais et Congolaises que l'Union sacrée de la Nation est une force réelle qui régorge toute tendance de la population congolaise. Nous avons quatre langues, quatre espaces linguistiques. Il y a les Bakongo, les Bangala, les Baswahili et puis les Baluba. Et vous avez vu qu'au Stade des Martyrs, toute tendance était là. Toutes les langues, tous les espaces linguistiques étaient représentés. Voilà pourquoi nous, de l'Union sacrée de la Nation, nous avions prouvé à la face du monde de quoi est-ce que nous sommes capables, et nous espérons qu'aux prochaines élections, la population va répondre massivement à l'appel du chef de l'État pour lui permettre d'avoir le deuxième mandat afin de continuer sa vision. Il était bon de nous organiser parce qu'au Stade des Martyrs, on peut avoir même 200 000 personnes dans les gradins, sur le terrain et en dehors du Stade des Martyrs. Et on avait même dépassé plus de 250 000 personnes. C'est juste pour prouver à l'opinion nationale et internationale que l'Union... Madel Kaina Maïna, l'actuel ministre du portefeuille. Oui, c'est vraiment important que je dois fixer à l'opinion que le comportement de Madame Adèle n'a pas reflété l'image d'une femme responsable qui a aussi un poste de responsabilité. Je vous fais d'abord une petite rétrospective pendant quelques secondes. Madame Adèle Kaina était proche collaborateur de Jeannette Kabila. Mais tout au long du mandat ou du régime de l'ancien président de la République, elle n'a jamais été même DGA, quelque part. Parce que eux-mêmes qui se connaissaient savaient bien le comportement d'Adèle Kaina, que c'est une femme hypocrite. Je le répète bien, c'est une femme hypocrite. Je vous présente les éléments de preuve. Avant les élections, Madame Adèle est allée se plaindre chez l'autorité morale de la FDC. Alors qu'elle était députée nationale en plein mandat, elle est allée demander l'argent de campagne électorale.
Et voici les éléments de preuve que je vous brandis. D'où viennent les sources de pouvoir d'Adèle, l'actuel ministre du portefeuille? Elle a récupéré de l'argent plus de 4 fois. Et j'ai quelques éléments de preuve, les 5000 dollars qu'elle avait récupérés, entre autres, d'autres éléments de preuve, de montants qu'elle avait reçus pour sa campagne électorale. C'est ça les éléments de preuve. Je crois bien, après cette conférence de presse, vous allez prendre des images. Donc, Madame Adèle, c'est une femme hypocrite. Je vous ai prouvé les sources de ses pouvoirs. Qu'elle avait pris beaucoup d'argent au-delà de 15 000 dollars pour sa campagne électorale chez le professeur Modeste Batin Kobo, dont je le demande de près. Alors, arrivée aux élections, elle a été élue comme députée nationale, mais elle avait une politique d'Autriche. Elle avait caché sa vraie face. Et le professeur, en tant qu'un acteur politique honnête et sincère, il sait que l'AFDCA, ce n'est pas seulement l'AFDC, mais il y a aussi ses alliés. Il faut aussi satisfaire les alliés. Et dans le partage des gâteaux, on avait 4 postes ministériels. On a donné un poste à nos alliés. Alors que nous-mêmes, l'AFDC, nous représentons les 85 ou 87% des élus de l'AFDCA. Donc, nos alliés avaient droit d'avoir le vice-ministre ou des directeurs généraux des entreprises. Mais en tant qu'un bon père qui gère une grande famille qui est implantée dans tous les secteurs, tous les territoires de la RDC, je parle de la FDC, il était obligé, en tant que bon gestionnaire, de satisfaire tout le monde. Et comme Mme Adèle était alliée, un allié de la FDC, elle a confié le ministère d'État à un allié, alors que l'AFDC lui-même, qui regorge les 85% des alliés, des élus de l'AFDCA, n'avait pas le ministère d'État. Il faut me comprendre bien. C'est ça aussi un sens de responsabilité et de l'honnêteté d'un homme d'État et d'un homme politique. Vous avez votre parti politique, vous avez les 85% des élus, mais vous prenez les alliés qui n'a qu'un seul élu. Je dis bien un seul élu lui-même, Adèle, vous lui confiez un poste d'un ministère d'État. Et après, Madame Adèle a commencé à comploter contre le professeur Bati et les regroupements AFDCA. Et elle a affiché maintenant sa vraie face. Sa vraie face d'une femme hypocrite. Je pèse bien mes mots. Parce que la manière dont elle s'est comportée vis-à-vis des conseillers, vis-à-vis de membres du cabinet, c'était une manière vraiment inhumaine et bizarre. Un ministre d'État en fonction, tu te réveilles un certain matin, tu appelles tous les membres du cabinet, tu leur dis, je vous demande de déposer. Où a-t-on vu dans quel pays au monde? Par quel mécanisme un changement du gouvernement, un changement du ministre ou un réaménagement technique du gouvernement, le nouveau ministre vient comme ça, il est nommé hier, il vient aujourd'hui, il demande à tous les membres du cabinet de déposer leur démission. Mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Ce n'est pas ça la bonne mort bizarre et immature qu'avait affiché Mme Adèle Kaïna en chassant les membres du cabinet. Nous attendons sa démission, qu'elle se prononce ouvertement que l'acte d'engagement que j'avais signé à la FDCA, je ne suis plus député de la FDCA et je ne suis plus membre de la FDCA. Nous attendons sa réaction, qu'elle vienne démissionner à la FDCA et quitter les postes. Et si alors elle n'a pas démissionné, quelle sera alors la décision? Bon, la démission c'est un acte volontaire. Si elle n'a pas démissionné, comme je venais de vous le dire, c'est une femme hypocrite. C'est une femme hypocrite. Elle a notre mandat. Elle est élue sous la liste de la FDCA. Si elle veut réellement afficher que non, je suis de mon petit parti politique de Mallette, je quitte la FDCA, la moindre des choses, c'est de poser un acte administratif. C'est-à-dire poser sa démission. Si elle ne démissionne pas,
je vous réponds que c'est une femme hypocrite. Maintenant, la suite, vous ne pouvez pas les convoquer, l'approcher et lui parler quant à ses problèmes de régler à l'amiable. Alors, le laisser comme ça, alors s'il n'y a pas de suite, elle est démissionne pas. Madame, je vous ai dit ici que Madame Adèle, c'est une femme hypocrite. C'est une femme hypocrite. Elle venait chez l'autorité morale comme si une ange là, parfaite, qui ne commet pas de péché, mais c'est une femme hypocrite. À mon exposé des motifs, je vous ai dit ici, Madame Adèle Kaina a fait 15 ans, plus de 15 avec Madame Jeannette Kabila. Elle n'a jamais été DGA, parce qu'eux-mêmes se connaissaient que c'est une femme hypocrite. Mais elle est venue comme une ange aux côtés de l'autorité morale. L'autorité morale, avec sa sincérité, il a confié un poste de ministre d'État aux alliés et à Madame Adèle, qui n'a qu'un seul député. Un seul député. Où a-t-on vu quelqu'un qui n'a qu'un seul député devenir ministre d'État? Ça ne se fait pas. Alors que selon la répartition des postes de responsabilité au niveau du gouvernement central, selon la planification, quand le professeur était informateur de la République, avant la composition du gouvernement, il a été question qu'un ministre revient à 8 députés nationaux. C'est-à-dire, si vous avez une force de 8 députés, vous avez droit à un ministre. Mais Mme Adèle n'avait qu'un seul député qui était lui-même, mais elle est devenue ministre d'État. Alors, suite à son comportement hypocrite, suite à son comportement immature, nous attendons sa démission. Qu'elle écrit officiellement à la FDCA que je démissionne à la FDCA, je renonce à mon mandat de député national de l'AFDCA, élu sous la liste de l'AFDCA, et je démissionne au gouvernement parce que son source de pouvoir venait de l'AFDCA. Le professeur Modeste Batinkobo avait jugé bon de donner un poste de ministre d'État au mandataire au regard de la réunion du bureau politique qui avait siégé les regroupements politiques AFDCA. Donc, nous n'avons pas quelque chose à forcer la main à Madame Adèle. Nous lui accordons le temps pour venir déposer sa démission au regroupement AFDCA. Parce que le comportement qu'elle avait affiché, c'est un comportement de l'hypocrisie. Vous chassez le membre de l'AFDCA, mais vous maintenez toujours au poste qui revient à l'AFDCA. C'est une chose de son contraire, madame. Vous ne voulez pas un homme, mais vous recevez l'argent de cet homme. Vous demandez la divorce, mais vous demandez à cet homme de vous donner l'argent à tout moment. Ça n'a pas de sens. Je conclue à dire, les sources de pouvoir de Madame Adèle Kaina, l'hypocrite femme aujourd'hui, qui a une maturité, qu'elle a affiché un comportement bizarre, parce que ça ne se fait nulle part ailleurs au monde, un ministre se réveille, chasse le membre du cabinet, les postes restent vides et remplacent par des étrangers qui ne connaissaient même pas les dossiers en cours, les dossiers pendants, les traitements des secteurs dans un cabinet. C'est un comportement bizarre. Nous attendons la démission au sein de la FDC par Madame Adèle. Nous attendons qu'elle renonce de son siège à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce que la FDC attend de nous. Mais le parti doit l'imposer et démissionner et aussi lui donner un délai. Jusque-là, est-ce que vous avez déjà un délai? Bon, madame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis qu'elle a posé des actes de l'immaturité, nous attendons que sa démission. Nous attendons sa démission. Ce que je vous dis, madame, j'ai une expérience. Je ne suis pas en train de plaisanter ici. Vous êtes les chevronnés de la presse. Vous êtes des responsables. Ça ne se fait nulle part au monde. Dans un cabinet, je vous l'ai dit aujourd'hui, circulez dans tous les cabinets ministériels. Vous trouverez les anciennes équipes qui travaillent avec le nouveau ministre. Pour dire, on ne chasse pas les membres du cabinet comme ça. On maîtrise d'abord le secteur. L'ancienne équipe collabore avec la nouvelle équipe pour la continuité des services. Et après, il aura une remise des membres du cabinet, après la remise des patrons des secteurs ministériels. Vous ne trouverez nulle part, un ministre fait la remise le matin. Et demain matin, il convoque la réunion de l'ancien membre du cabinet pour leur dire... Vous devriez déposer votre démission. Madame, ça ne se fait nulle part. Je pèse bien mes mots. L'acte que Madame Adèle avait posé, c'est un acte de l'immaturité. On ne gère pas l'État comme ça. On ne gère pas l'État comme ça. Ce qu'il est dans le ministère, vous trouvez les anciens cabinets.
dont tous les postes de la gestion de la République à la police nationale, à l'armée et dans tous les secteurs, quand la remise de ministre se fait, il y a toujours un temps que l'ancienne équipe doit se préparer avec la nouvelle équipe. Donc, Madame Adèle, c'est une femme qui a fait la honte du gouvernement Samadi. Ça, je pèse bien mes mots. Je viens de vous donner les éléments de preuve que c'est une femme immature dans la gestion de la République. Elle a affiché ce comportement de l'immaturité parce qu'elle a donné le dos au professeur Modeste Batilko. Si elle avait demandé ses conseils, le professeur allait lui dire on ne change pas les cabinets comme ça. Il faut avoir le temps pour que la nouvelle équipe puisse collaborer avec l'ancienne équipe pour la bonne continuité de la gestion de la République. Voilà. Merci beaucoup, maître Yvon. Nous allons petit à petit chuter, puisqu'on a débordé depuis de 40 minutes déjà. Nous irons directement à nos... Je vous présente le document de M. Steve Mikai. Son acte d'engagement. M. Steve Mikai, c'est parmi aussi les hypocrites qui est venu à la FDC pour créer des troubles et des désordres. En ma qualité du coordonnateur national de la CNB, j'avais reçu M. Steve Mikai dans notre siège à Sénoué. Il était venu pour solliciter l'intégration à la FDC. Après avoir sillonné plusieurs regroupements politiques, il a été rejeté. Et quelques jours avant la clôture des dépôts de candidature, elle est venue plaider à mon bureau. Et je lui avais amené chez l'autorité morale. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui ai reçu M. Steve Mikai à Sénou. Et après, il était ministre en fonction. Je dis bien ministre en fonction. Mais il s'est permis de venir demander les 5 000 $ chez le professeur Modeste Batinkou. À 3 fois, M. Steve Mikai. Donc, la situation des alliés, des quelques alliés de la FDC, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sincères. Mais nous, la FDC, nous n'avons pas de problème avec nos alliés. Parce qu'il y a des alliés honnêtes et sincères. Voilà pourquoi le professeur Modeste Batinkoubo est un homme honnête qui continue toujours à travailler avec les alliés et dans tous les postes de responsabilité, nous accordons aussi la place à nos alliés. Nous ne sommes pas les gourmands, nous travaillons avec nos alliés. Ceux qui sont ici, ceux qui sont sincères. Mais les messieurs comme Steve Mikai et les hypocrites comme Madame Adèle Kaina, ne mérite pas de vivre ensemble avec un regroupement politique d'un homme sincère qui s'appelle professeur Modeste Batinkoubo. Alors, je reviens maintenant sur la situation du site Kivu et du Tamanika. La province du site Kivu, c'est une province qui nous a donné beaucoup de lits. Nous avons 2 députés provinciaux au site Kivu. Et quand nous étions au pourparler le partage des postes de responsabilité au niveau provincial, la FDCA avait au moins la possibilité de donner les candidats pour la province de Sud-Kivu. Et c'était M. Théo Ngwabiji. M. Théo Ngwabiji travaillait bien. Mais à un certain moment, il a donné le dos à la population. Les députés provinciaux sont venus parler au regroupement AFDCA. On a reproché M. Théo Ngwabiji. On l'a convoqué ici. On a dit, vous avez l'obligation de répondre aux besoins de la population. Nous, la FDC, nous avons un contrat avec la population congolaise. Et nous sommes derrière le chef de l'État. Et nous avions sollicité le deuxième mandat à cette population pour le chef de l'État. Mais si vous ne travaillez pas bien pour la population, nous aurons des difficultés à faire un bon discours face à cette même population. Théo Ngwabiji n'a pas écouté. La population s'est révoltée. Nous nous sommes dit, comme tu as un mandat de la FDCA et que la FDCA est proche de la population, nous avons jugé bon de vous demander de déposer votre démission. M. Théo Ngwabiji avait refusé. Nous nous sommes dit, comme vous avez refusé, alors on observe les scènes. La population a demandé le départ de M. Théo Ngwabiji. Nous avons un devoir de redevabilité face à cette population. Voilà pourquoi nous respectons la population.
Parce que c'est la même population que nous allons demander le deuxième mandat au chef de l'État. Et nous ne pouvons pas mettre en cause notre vision de lui, le chef de l'État, au deuxième mandat par rapport à ce monsieur Théongwa Bidji. Parce que monsieur Théongwa Bidji ne pèse pas. C'est l'AFDC de ce qu'il a recommandé, c'est l'AFDC de ce qui pèse. Et l'AFDC avait retiré sa confiance parce qu'il ne voulait pas mettre en cause sa vision de réélire le chef de l'État au deuxième mandat face à un politicien. Je peux dire même un petit politicien comme M. Théongwa Bidji Kassé. Nous avons deux fardes. Cette farde a beaucoup de dossiers à l'intérieur. Cette farde n'a qu'un seul dossier. Mais nous avons plus de 2000 dossiers ici. Je ne peux pas me permettre de négliger le 2000 dossiers pour un seul dossier, alors que ce dossier était tellement important. M. Théongwa Bidji Kassé était face au chef de l'État. C'est-à-dire, la population avait une mission de respecter le professeur Bahati, donner le deuxième mandat au chef de l'État. Mais cette population ne voulait pas de Théongwa Bidji. Est-ce qu'on devait maintenir M. Théo et sacrifier cette population qui devait nous donner le deuxième mandat pour le chef de l'État? Non. Nous avions dit, M. Théongwa Bidji Kassé, déposez vos démissions. Il avait refusé de déposer la démission. Ce qui s'est passé au niveau de la province ici, Kivu, vous êtes de la presse, il faut plutôt aller demander aux députés provinciaux et aller vous enquêter sur le comportement de M. Théongwa Bidji Kassé. Quant à nous, la FDC, c'est depuis très longtemps qu'on a lavé nos mains et nous avions dit, nous observons, nous regardons de loin, nous sommes même loin de la situation d'ici Kivu actuellement. Nous avions conseillé M. Théongwa Bidji de déposer sa démission parce que c'est la population qui avait demandé sa départ. Et ces mêmes populations-là qui devaient donner deuxième mandat au chef de l'État. Nous ne pouvons pas sacrifier cette population pour l'intérêt d'un seul individu. On avait jugé bon de garder cette population et demander à M. Théongwa Bidji de démissionner. Mais comme elle avait affiché un comportement de la petitesse, nous nous sommes dit, on se retire et puis on observe. C'est à la population de juger et de prendre sa décision. Pour vous dire que nous, la FDC, en conclusion, nous sommes proches de la population. C'est cette même population que nous avions demandé de donner deuxième mandat au chef de l'État. Et même nos propres camarades qui se comportent mal face à cette population ont un devoir de redevabilité de suivre les conseils du présidium de l'AFDCA, c'est-à-dire ils sont obligés de respecter la population. S'ils ne respectent pas la population, ils ne vont pas s'attendre avec l'AFDCA. Donc la situation de Sikibou, c'est une situation que nous avons déjà lavé notre main. Si vous voulez comprendre ou connaître la version actuelle, je viens de vous parler de l'ancienne version. Si vous voulez comprendre la version actuelle de Sikibou, allez-y au Sikibou. Posez les questions aux députés provinciaux, enquêtez à la population et vous aurez la version authentique. Quant à moi, en tant que communicateur de la FDC et de la FDCA, je vous dis en toute sincérité la situation de Sud Kivu. Nous sommes loin de là. Le professeur Modeste Badi Kobo et la FDC est loin de là parce que nous avions jugé bon qu'il appartient maintenant au pouvoir de la population. Si la population a jugé bon de laisser M. Théongwa Bidji, ça va. Si la population a jugé bon de le faire partie, ce n'est pas à moi de venir ici devant la presse pour décider sur le sort de M. Théongwa Bidji Kassé, parce que je ne suis pas une juridiction ni la population qui vit au Sud-Kivu. Voilà. Maître, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous ne pouvons pas terminer notre conférence de presse sans parler d'actualité. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent à Kwamutu. Il y a des gens qui meurent aussi, qui sont morts et qui continuent à mourir à l'éboulement qui s'était passé au niveau des Calais. J'aimerais que vous présentiez votre condoléance, mot de condoléance, et puis dire un mot par rapport à cela. Pour préciser, ce n'est pas au Kwamutu, toi. Ça arrive déjà à Maluku. À Maluku, mais Kaou, l'insécurité, tout ça. Dernièrement, ici, à Mbinza, on sonne aussi. Kwamutu, c'est dans la commune de Maluku. Non. Je te signale, Kwamutu, c'est dans la commune de Maluku. C'est pas Maluku. Kwamutu, c'est pas Maluku. Kwamutu, déjà, Maluku. Na Mukolo Yalino, dimanche le 14 mai 2023,
tokutana ki awa pona kosa la conférence de presse pona ko fixer opinion na situation politique économique et sociale ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ndenge na utaki ko yebisa bino bandeko na bo etali union secrète tout cela qui sorti officiel na biso na stade Martyr tout cela qui plus de 250 000 personnes. Et la Kisaki, l'Union sacrée, les Ali, il y a solo la population congolaise et la Bakina. Nous allons dans l'Elikia, été élection à chef de l'État, ce qui nous a manqué, peut-être déjà par 60%. Nous avons espéré 70% ou 75% de la population congolaise pour faire sa confiance dans la présidente de la République. Il y a une sous-santé politique à l'Union sacrée. Que tous les gens sont hypocrites, sont flatteurs, sont quatre sociétés réunies. Pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été président. Pour les gens qui ont été en train de se faire, FDC, Mbeli. Mais nous allons rappeler les sociétés réunies sur l'Union Sacrée. AFDC, nous allons dire que nous président de la République. AFDC Azali Mwana Yaliboso ya président de la République. Yende, tant que Azali qui est en chômage, Andimaki ko soutenir président de la République, alors que Bamisou Bazala qui est en Katia gouvernement, Baboya qui ko soutenir président de la République. Bissot se prononce qui tout haut, na date ya le 26 juillet 2021, que candidat na Bissot, comme on a dit, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, Bino, Batouo et Bozali n'a pas idée diabolique. Batouo et Bozali Koluka ba poste. Na kombo ya professeur Batim Kobo, na kombo ya AFDC regroupement naye, Bozali ko passer dans la bus inutilement. Biso AFDC. Ngai lokola molobeli officiel la AFDC na ko bisabino. Biso AFDC, mission na biso zali ya ko bisa population, bopé sa confiance na chef de l'État, changement et Bozala mali mali. Mission na biso AFDC zali conseiller la chef de l'État deuxième mandat. Et puis mission na biso zali pour préparer majorité écrasante pour na élection à chef de l'État et puis ko yebisa chef de l'État na secteur où il a commencé bien, na secteur où il faut quoi améliorer. Biso tozali pour que tu zali honnête et sincère envers le chef de l'État. Ngai secrétaire national adjoint en charge de l'implantation na sali plus de 15 provinces pour na ko sa la pré-campagne à président de la République. Qu'il y ait sa population, territoire à territoire, que candidat à son élection présidentielle, comme on a dit, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et puis, dans la salle, on a mission et professeur Modeste Bata. Tandis que nous avons société à FDC, vous avez perdu de temps inutilement. Il y a n'importe quoi, vous allez se faire distraire inutilement. Bisso à FDC, vous avez travaillé pour la réélection. Il y a chef de l'État parce que tout ça, un parti politique implanté dans le secteur Nyonso, dans le territoire Nyonso, et puis dans la province Nyonso, il y a la République démocratique du Congo. Dans l'état de santé AFDC, AFDCA, dans la Kisa Kibino, il y a un document, il y a un acte d'engagement, dans le retrait de Mbongo, il y a Mme Adèle Kaina, actuelle ministre de la portefeuille. Il y a un hypocrite. Vis-à-vis, il y a AFDC à regroupement au Salaki qui est élu député national et puis regroupement au Salaki comme ministre. Madame Adèle n'a le bel bino sur son comportement à Yosali à immaturité. N'a pas ça qui bino au côté calaté comme on a un kili mobimba. Changement à gouvernement Salemi Lelo, l'obi ministre a bengani batouni sur la cabinet. On est amené toujours gérer Ndakounayo. Gestion y a République ou gestion y a Respublica, et allez gestion y a Ndakouté. Comportement à Madame Adèle Ouassalaki, et allez malam ou atamoukete. A quoi quitter pour se permettre pour bien être responsable et à cabinet d'aïe. Ba conseiller ou Bazalaki n'a pas posé stratégie. Directeur de cabinet n'a pas de Komoussousou, a commis ministre va renouveler confiance n'aïe Lelo, lobby à sa mise cabinet à Bengali Batounoussou. Mais l'équipe est à Sikao et Lingaki ou Kotaki. Ndengeni ne yebaki ba dossier pendant. Ndengeni ne yebaki ba dossier en cours. Ndengeni ne yebaki secteur na secteur ou le conseil na conseil bande kouche. Comportement à Madame Adèle
et ça qui comportement moko ya immaturité na kati ya gouvernement. Voilà pourquoi na suki saki ko pesa bon exemple na kati ya gouvernement Samadé ba ancien membre ya cabinet ya ba ministre ko ba leka bazali ko travailler ti lelo na ba nouveau ministre na ba nouvelle équipe pour la continuité des services à gestion républicaine. C'est ce que Mme Adèle devait faire. Elle ne devait pas chasser les gens subitement comme ça et laisser les postes vides. C'est comme s'il y avait une carence énorme. Et c'est là qui comportement où il y a une matière. Pour la question qui s'est enlevée, la Kimakabo, Italie, gestion et la province à cette Kibou, la Bétélibino, le Solo, il y a Oenekaki, comportement M. Teungwa Bishkasi, la Ebisibino était Bisso AFDC. Donc, on a quitté le pouvoir, mais c'était un peu plus cassé pour comparer la population. Parce que la population est souveraine. Tout le monde a dit que c'était un peu plus cassé. Après, la population, où il va relier le chef de l'État, il va dire que je suis un peu plus cassé. Il va dire que les provinciaux gouvernent sous le balai. On est là qui a dit que ça fait des années passées. Mais pour aller là, la situation à Sikibou, vous allez battre la presse. Ceux qui veulent bon maîtriser un mot bien, il faut qu'il y ait un site qui vous, pour ça l'enquête, et pas des deux provinciaux, mais pas la population. Je suis en train de faire des choses, mais c'est un peu vraiment, je suis mandaté à Koulubila et Awa, soit à Koulubila, site qui vous. Je suis en train de faire des choses, je suis en train de décision à AFDC, je suis en population des alliés souveraines, je suis en train de passer. Pour le moment, il faut aller demander. Je suis en train de faire des choses, il faut aller dans Manika, poser la question à la population et aux députés provinciaux. Ce n'est pas à moi, communicateur de la FDCA, de vous donner une version qui se passe actuellement de la province de Tanganyika parce que je n'ai pas mandat. Voilà. Merci beaucoup, maître. Abonnez-vous massivement sur Légende News Officielle Télévision. Légende News Télévision. Vous abonnez et belé et belé et belé. Vous avez décidé parce que pour nous, je suis un chasseur d'images. Légende News Officielle. Bien. Boyaye, Marambouza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne Abana Mboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News Officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Légende News Officielle. Pour l'information sportive avec impartialité et véracité.